إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoyons la paix et bénédiction de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille ainsi que de sa bande de compagnons. Pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, nous rentrons dans le mois de Muharram, premier mois dans le calendrier islamique et l'hypomi ban mois sacré qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait connaître, tout le temps nous faire rappel concernant sa bande petite chose là. Parce que Jum'a dans lui-même, c'est un moment qu'on fait rappel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ida nous dit à l'issolat min yawmil Jum'a, quand il fait l'appel pour le jour de Jum'a, fas'aou ila dhikrillah, allez vite vers le rappel d'Allah. Fas'aou ila dhikrillah wa dharul bay' et quitte tout travail. Nous pourrons marquer Jum'a li attaché avec un khutbah. Jum'a est la seule pour faire li. Jum'a est la seule façon pour faire li. Celui qui manque Jum'a peine à remplacer Jum'a. Celui qui manque Zohar avec Jamaat encore dans ce lire, et n'a ce moment pour faire Zohar même. Celui qui manque Jum'a dans l'air qui peut accomplir en congrégation dans Masjid, il n'est pas capable du bout d'un côté de faire ce Jum'a. Il faut bien faire Zohar. Parce que Jum'a est attaché avec un khutbah. D'après le principe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, khutbah là, il est important ça. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Fas'aou ila dhikrillah. Quand il fait l'appel, vous connaissez qui l'appelle ça, qui ça l'appelle là? Quand il fait l'appel, il veut dire qu'il donne la zan. Il doit nous dire, quand il fait un nida, il fait l'appel pour salat. L'issolat min yaumil jum'a. Quand il fait l'appel pour salat le jour de vendredi, c'est ça lié là ça. Vous connaissez ça, appel là, c'est ça qui fait faire là. Avant mon, l'état fini monte le mimbar, ça l'appel qui me fait là, c'est ça ça. Qu'Allah dit, fas'aou ila dhikrillah, galoupez vite, précipitez vers le rappel d'Allah. Pas si ça, wadarul bay, et quitte tout travail qu'ils ont pu faire, quitte tout ce commerce qu'ils ont pu faire, bay. Beaucoup place Allah subhanahu wa ta'ala déjà établi la salat. Mais quand il dit établi la salat, aucune place n'est pas mentionné, hein, quitte ça, fait salat. Mais Jum'a, il dit, wadarul bay, à
al vite vers le rappel d'Allah, quitte tout travail qu'ils ont pu faire. Parce que si on manque khutba, manque jumra, pas capable remplacer ça. Puis on a remplacé ça. Al fait zohar l'air. Et ça, je vais nous dire, jumra, il est attaché avec un khutba. Vous faites le rappel d'Allah. Ça veut dire qu'il est important. Que quand tu es important, pour présent, bonheur, pour khutba, avant soi là. Pas non plus, je dis, non, khutba, la paix intéresse moi. Il est intégré ensemble avec ça, soit là, là, ça. Ça khutba là. C'est qu'il y a là, al vite. Qui fait? Parce que comment ensemble fini, il y a khutba, puis il y a soit là. Comment azan fini et na khutba après pour na salat. Allah subhanahu wa ta'ala les discipline, c'est un rappel ça. Nous pouvons faire un rappel, un occasion nous pouvons gagner. Nous pouvons faire un rappel. Comme ça, moi-même, premièrement, avec nous tous ensemble, nous trouvons la nécessité pour être présents. S'il fallait avant que l'imam monte le mimbar, présent dans le masjid pour écouter khutba. Bien important ça. Allah subhanahu wa ta'ala repose sa ban sahaba même. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire khutba, tu l'as mimbar, tu peux faire khutba, tu peux cause aux autres, tu peux adresser aux autres. Caravane vini, tu peux vendre ce ban l'autre. Beaucoup qui tu peux assiser, tu peux écouter. Je ne quitte le prophète comme Allah subhanahu wa ta'ala wa dire wa taraku ka qa'ima. Je ne quitte toi qui te peux faire khutba, tu peux adresser les autres, je ne quitte toi, tu peux djibouter là, je n'ai allé, je t'ai allé, je t'ai allé, je t'ai allé, je t'ai allé, allahi khair min allahwi wa min attijara. Dans sa lié là, c'est tout. Ma inda Allah, c'est qui coûte Allah meilleur. Qul ma inda allahi khair min allahwi, depuis mon l'amusement et depuis mon commerce. Allah subhanahu wa ta'ala, discipline. C'est mon premier musulman là. Quand Bizin était dans sa lié là, dans Masjid, qui Bizin fait écoute khutba, quand, avant. À tel point Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, le jour de vendredi, il y a un ange qui dit bout de côté la peau. Nous croyons là-dedans, nous croyons là-dedans. Ou bien il rentre là, il saute là. Pour moi-même, premièrement. Hein. Et qui fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous comme ça. Pour l'autre qui chose, quand nous connaissons une promotion, un magasin met une promotion, liquidité, peut vendre ce qui chose en bas 70%, bien 75%, pour moi c'est terrible, et nous connaissons la foule qui nous fait, nous avons le bonheur pour bénéficier avec promotion. Et ça, il n'est pas duré ça. Hein? Ça qui compte nous perd le bonheur, nous perd le regard et promotion. Là. Pas dire ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit un ange du bout de côté de la peau, le jour de vendredi, avec un cahier dans son ami, un registre. Qui fait pour les morts, ban qui est présent et dans ban lié spécifique. Ça veut dire quand il peut mort, présence, ban qui peut venir, salat, jumaa là. Les mentionnés dans le lire, il y a un premier lire jusqu'à un dernier lire. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, le premier lire gagne telle récompense, plus grosse récompense. Est-ce qu'il ça, il peut toucher moi là? Comment peut-être ça? Est-ce qu'il peut, je dirais, stimuler moi pour faire un effort l'autre coup? Présent bonheur. S'il fallait avoir un zan donné, présent dans le masjid. Pour gagner sa récompense, qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé. Jusqu'à dernier lire, elle disait plus de récompense. Ça veut dire qu'il vient plus tard. C'est madame tard là, c'est avant que l'imam monte le mimbar. Quand l'imam monte le mimbar, on a la même ferme sur résiste, il vient assister là. Il peut assister, khutba. Puis la personne ne peut manquer là, fini. Puis la récompense là. Mais qui fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait une occasion qu'il nous gagne, il fait un petit rappel.
afin que inshallah subhanahu wa ta'ala nous donne un quelque chose sur l'importance qu'il mérite. Si à tout quelque chose concerne notre dîn, si à tout quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait discipline nous concernant ban quelque chose là. Le fait qu'il Jumu'a il y a un jour qu'on nous fait un rappel, c'est ce qui nous peut faire et rappel jamais les fatigants croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, fatakir fait le rappel. Quand le rappel, le profit ban kena iman. Connais parfois si tant nous fait une petite chose, une vie une routine pour nous. Nous pas négliger nous, mais nous penser qu'il va dire nous peut faire lire OK, nous pas réfléchir l'eau petite chose qui vient produire dans nous. Par exemple, soit là il vient produire quelque chose dans nous, ça. Mais comme les bananes, on peut venir, on peut faire salade, ou encore pareil. Qui fait? Parce qu'il nous vient de faire salade. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il nous vient faire salade, il pense qu'il vient donner l'autre faire salade, mais il mentionne, quand il pour récompense, ban qui accomplit la salade, il mentionne qui a été salade qui pour gagner récompense. Quand il dit ban croyant qui fait salade pour gagner paradis, il ne dit pas ban qui fait salat pour un paradis, mais il dit ban qui dans autre salat tiena khushur condition. Tout ça là pour montrer nous pareil que moi, même rosa, même ban salat nafil qui nous fait moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit et n'a qu'il est levé dans la nuit, il pas bénéficier non rien excepté qu'il manque sommeil. Ça veut dire ça salat qu'il peut faire dans la nuit là pas profite lui parce qu'il tout quelque chose bien faire avec l'équipe. Même un doua qui nous fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit, un doua qui fait dans Raflat. Nous peut demander avec nous la bouche, l'équipe là, pas là-dedans. Elle n'a pas accepté. La cause, il dit, quand vous faites un doua, faites-le avec certitude, avec conviction. Connais qui nous peut roder, connais qui nous peut demander. Comme rappel, nous dit, nous rentrons dans le mois de Muharram, ça veut dire nous sens l'année, nous arrivons l'année 1445. Et tout le temps, quand nous causons nos calendriers, nous l'année islamique, nous mentionnons toujours le mot Hijri. Si nous prenons l'origine, moment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu la première révélation, jusqu'à aujourd'hui, combien l'année nous fait, dans sa 1445 là, nous avons ajouté encore presque 13 bonnes années encore. Parce que 13 ans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait dans Makkah. Dans Makkah, quand je suis dans Makkah, prends depuis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la première révélation, Wahi, jusqu'à qui, il quitte Makkah y aller. Il y a à peu près 13 ans qu'il fait là. Et ça, 13 ans-là, Allah subhanahu wa ta'ala, tu descends dans l'ayat Qur'an pour former dans le monde, surtout d'un côté akida, d'un côté idéologie. Faire ce qu'on Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, ça va le premier musulman là, je parti dans l'autorité. Je parti reconnu. Et ban qui tient à l'autorité, les autres, tu peux faire dominer, surtout en ban qui fait pas mes autres. Fais dominer jusqu'à ce que tu es. Premier martyr dans ce ban moment-là, c'est une madame esclave. Et dans ce moment-là, on nous dit, soit là, tu es encore obligatoire, pas encore non, ni là. Là, c'est faux marchand que tu peux faire. Il y a 13 bananes là. Après ces 13 ans là, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire hijra. Hijra là, nous connaissons qui veut dire ça. C'est au même moment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin quitte Makkah net. Quitte. Le temps y aller, il tourne vers Kaaba, Makkah, il dit, je suis bien content toi. Il est attaché avec Makka, avec Kaaba. Mais seulement, il peut bizarre aller. Il est dans le plan Allah subhanahu wa ta'ala. Ça même qu'appelle Hijra. Et dans nos calendriers, quand nous mentionnons 1445, Hijri, qui fait
Donc, même dans l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même dans l'époque Abu Bakr, qui est le premier calife de l'islam, comment nous connaissons, disons, dans le calendrier grégorien, nous dit nous l'année 2023. Moi, je ne l'année là pas si pas ce nombre. Mais à l'époque, il n'y a pas comme ça. Je t'y réfère à ban l'année, pas ban événement qui tu prends place. Par exemple, dans le Coran et la Surah Al-Fil, il a fait Quraysh. Ça, événement-là, quand ban là raconte Surah Fil, quand dans Tafsir, l'État nous guette, mentionne, raconte concernant cet événement-là, événement de l'éléphant, Ashabul Fil, je dis, je te réfère à ça l'année-là, pas l'année de l'éléphant. Ça veut dire, tu peux référer à une année, pas événement qui prend place là-dedans. Même dans l'année, dans Makkah, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui pas encore une prophète, quand je te réfère à ça l'année-là, par exemple, je dis l'année que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu participes dans une manifestation. Que tout man arabe qui joigne pour demander la justice pour un arabe qui est là, un étranger qui est là, tu fais injustice avec lui. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu participes là-dedans. Alors, tu réfères à l'année pour un événement qui tu prends place là-dedans. Dans l'époque, Omar radiallahu anhu, l'Ivin Wadjiré, surtout, finit la conquête beaucoup, ça, les musulmans fin vin nombreux, plusieurs pays en déo Makkah fin accepter l'islam. De là, Omar radiallahu anhu, il trouve un moyen pour servir un calendrier islamique. Et il prend première année dans le calendrier islamique, ce premier année, il prend ça l'année qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu fais hijra. De la même, ça l'année qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu fais hijra, appelle-lui première année hijri, la zone d'un calendrier. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il quitte dunya un mot, 10e année hijri, ça veut dire 10e année à partir du moment qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait son hijra. Quand un tel mentionne une vie, telle l'année, l'in mot telle l'année, mettez Hijri. La cause M là, ça l'année là, nous arrive dans l'année 1445 Hijri. Ça veut dire peine à sa 13 ans dans Makkah. Le calendrier n'est pas à partir Hijra qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait jusqu'à aujourd'hui 1443. Mais là aujourd'hui c'est une occasion. C'est une occasion pour nous réfléchir un petit peu concernant sa hijra que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait là. Qu'il n'a pas été. Sa hijra là, qu'il n'a pas été. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait, il bien fait. Lui et ce bon compagnon et bon premier musulman, quand ils ont fait hijra, qu'ils ont fait. Et après que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait la conquête de Makkah, lui dire maintenant, peine pour faire hijra. Exactement, c'est vrai. Qui fait tu besoin de quitter Makkah pour aller à Madina? Parce qu'il y a une persécution. Ban qui a l'autorité, qui a le pouvoir, tu peux persécuter ce ban musulman là. Parce que les autres pratiques, les autres dînes. L'État Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Makkah, qualifier victoire, sans qui l'in la guerre, sans qui l'in verse un goutte de sang. Et dans ce même moment, l'in pardonne tout. Mais Makkah, il vient un État islamique, Makkah vient un pays islamique. Musulman, il gagne l'autorité dans Makkah, avec pas pour une utilité. Pour quitter Makkah. C'est même que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une hijra. C'est une hijra pour faire. Ban qui reste là, reste là. Ban qui a envie de retourner ici, car retourne. Soit depuis Madina, retourne Makkah via cette femme. Car retourne, c'est une hijra. Et troisième question, nous pouvons guetter, est-ce qu'il
nous, il n'a hijra pour nous. Et si il n'a hijra pour nous, qui a été hijra il n'a pour nous? Nous comptons très bien hijra que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait. La raison, pas tu peux qu'à pratiquer. Et pour pratiquer, il faudrait ou dire ou une l'autorité. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce principe, il n'y a pas de nos jours, et n'a qu'on trouvé pas qu'à pratiquer les affaires, il dit, nous lever, nous prendre hommes. Non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dit comme ça. La façon qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala même fin, enseigne pour agir comme ça. Et c'est pour ça qu'après le temps, il rentre dans Makkah, sans vies et goutte du sang. Makkah est devenu musulman. Presque tout accepter l'islam. Mais seulement, je ne dis rien, quitte Makkah. Avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitte Makkah, laissons qu'il nous puisse tirer là. Il n'y a pas fait un an à peu près. Il attend le moment. Il prend 10 personnes qui sont bizarres pour guider dans sa trajet, dans sa moment qu'il peut faire hijra là. Et quand il peut faire ça là, personne ne connaît excepté pas plus qu'il y a 3 ou 4 personnes. Qui connaît que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut Madina la la la. Azodi, asoir. Planifié. Qui fait nous mentionner ça là? Pour nous guetter, nous hijra qui nous fait, comment nous bien faire? Nous planifier. L'étant nous lire l'histoire. Vous connaissez l'étant pour faire sa tragédie là. Il n'y a pas de sortir là dans une étape, des étapes, finir votre Madina. Quand tu as fait Hajj ou bien Umrah, je te connais. Pas bis, même si je prends bis pour le Madina, comme il est temps de prendre, tu as fait Hajj ou bien louer un chameau. Nous connaissons rapidité un chameau, qu'il est temps de prendre. Ça trajet là, donc combien il est temps, combien de jours il peut faire. Et quand je peux faire ça, Hajj là, je peux mettre la vie en danger là, parce que je te connais. Et dans ce même moment, il a fini de décider pour venir tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tuer, pour venir tuer. Ils ont fini de faire ce plan. Mais Allah, plus grand planeur. Quand il fait sa trajet là, il est en nous guetter. Et à certains moments, ils restent dans la grotte. Quand ils dansent dans la grotte là, et à certains moments, van qu'ils ont confié sa travail là fin vini pour les autres manger parmi les manger pour les autres et tout ça là il fait sans qu'il ban mushrik Makka koni sans qu'il ban chef là koni en qui chose il préparé il planifié et il bien planifié par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce 30 dans Madina même en chemin il n'a l'étant nous lire l'histoire, nous trouver, ben là, fin mettre la tête a pris, fin dire n'importe qui s'en a qui vient avec ben là, Abou Bakr et Omar, pour gagner tant chameau, etc. Et là, ben chasseur des primes qui finit aller pour amener lui, réamener lui dans Makka. Et là, il y a un parmi qui nous trouve lui. Mais lire l'histoire, nous connaît qui n'est arrivé. Mais tout cela est planifié. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas fait non, ni à peu près. Sa leçon, première leçon qui nous tirait dans Hijra jusqu'à The 30 Madina. L'état The 30 Madina nous compte très bien. À partir de ce moment-là, Madina est transformée. Madina est une place que nous appelons l'université islamique. On dirait première université islamique, Madina est venue. Première chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait quand il rentre dans Madina, il y a un terrain pour monter un masjid. Parce qu'avant de faire Hijra, Salat finit vin obligatoire. L'état il rentre à Madina, il y a un terrain, c'est un terrain qui se sent beaucoup, arrête dans sa place là. Il dit, il pourrait se faire ça du monde qui, ça sent beaucoup là pour arrêter.
Quand ça m'a l'air à telle place, ensuite, il négocie avec le propriétaire là, je n'ai terrain. Premier qui se fait, c'est mon masjid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Déjà qui se nous en prend dans Hijra, place salat. Place qui soit là occupée. Première petite chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait là. Monte en masjid pour faire salat. Dans ma cas, pas comme ça. Dans ma case, tu peux faire salat cachette. Tu as une place. Un quelqu'un qui appelle Arqam dans la case, tu peux joindre, tu peux en prendre, tu peux faire salat. Darul Arqam. Non, pas tu ne peux pas faire ouvertement. Mais quand il fait Hijra, tu gagnes liberté. Et ça même, la cause ça même, besoin de faire Hijra. Besoin de faire Hijra pour capable de pratiquer din facilement. Facilement. À partir là, après Hijra, le Coran descend, par 23 bananes. Et qui calque le Coran descend, le Coran, la loi. De la même, Siyam obligatoire, Zakat obligatoire. Hajj obligatoire, la loi concernant la boisson alcoolique descend, la loi concernant halal, concernant haram. Qui fait? Qui fait après ça qu'il a l'un descend? Parce qu'il y a une vie dans l'État. Vous êtes l'autorité, vous êtes le pouvoir, vous êtes capable d'appliquer la loi. Vous appliquez la loi. Et finalement, après 20, presque. Moins que 23 bananes, l'État Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait conquête Makkah, lui dit peine à faire Hijra, parce que je ne finis pas Makkah. Makkah, si je ne finis pas. Et tout ban, lui dit, lui pardonne tout. C'est même que ban, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pardonne tout, appelle tout ban, tout la corps, antum at tout la corps. Parce que ban, la vie vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je connais, je ne fais lui beaucoup du tout. Je dis, mais qui peut faire avec nous aujourd'hui? Parmi Tchéna, Abu Soufyan. Mais qui peut faire avec nous aujourd'hui? De la même, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Antum at-tulaqa, vous êtes libre. Il n'y a rien pour faire. Il n'y a pas aucune vengeance pour vous. Vous êtes libre. Et finalement, presque tout accepté l'islam. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment on peut dire, quand il dit, Pena Hijra, Astia Pena Hijra. Parce qu'il finit musulman. Mais pour quitter Makkah pour le pratique d'une guerre de facilité, ici, nous pouvons pratiquer d'une astuce. Mais est-ce que nous n'avons pas de Hijra pour faire? Connais, c'est pour ça que dans Madina, dans la communauté musulmane, à l'époque que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui peut vivre, tu as deux catégories du monde. Un groupe là, tu peux appeler les autres ban Muhajir, tu as la distinction là. Tu appelles les autres ban Muhajir, et là tu appelles les autres ban Ansar. Un Muhajir, ban qui appelle les autres ban Muhajir, c'est ban qui fait Hijra, ban qui quitte Makkah, qui vient Madina. Ban Ansar, c'est ban qui saute Madina. Les temps que tu viens dans Makkah pour Hajj, dans à l'époque là, tu viens de la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais Bay'a avec lui. Qui se pour aider Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ban qui appelle ce ban Ansar, ban Helpers. Un qui appelle Muhajir, un qui appelle Ansar. Mais de tous les frères, tous les deux frères. Pas qu'il n'y a aucun supériorité en eux. Tout est pareil. Nous mangeons ça juste pour servir le terme Muhajir, nous trouver. Muhajir veut dire quelqu'un qui fait Hijra. Mais est-ce que nous besoin quitte Maurice pour nous continuer pratique d'in, nous Hijra. Si nous sommes là pour faire Hijra, nous Hijra veut dire, nous besoin quitte Maurice, nous dans l'Arabie Saoudite pour pratique d'in. Ou bien nous prenons une définition que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous donnait, ou bien c'est qu'il montre nous qui Hijra nous besoin faire. Pour nous comprendre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Wal muhajir » l'État explique concernant quelqu'un qui fait Hijra. « Wal muhajir man hajra ila ma nahallahu an » C'est celui qui n'a vers ce qui Allah subhanahu celui qui quitte ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin interdit.
à la nous hijra. Et nous bien faire lire. Ça va le premier musulman, nous bien faire hijra pour cette cave pratique digne. Hijra bien dans nous la vie. Ça va le premier musulman là, je ne fais hijra pour capable pratique digne. Quand je ne fais hijra, nous connaît place que cette année là qui vient. Il vient en Darul Islam. Darul Iman. Comment nous dire, première université islamique sorti là-bas même. Mon premier élève, c'est mon sahaba, élève de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bizarre faire. Et bizarre connaît qui peut faire. Mon atik connaît qui peut faire. De nos jours, nous encore bizarre faire hijra. Parce qu'il nous encore une difficulté pour pratiquer digne. Nous encore une difficulté pour faire cinq fois salat. Nous encore une difficulté pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous encore une difficulté pour quitter la drogue. Nous encore une difficulté pour quitter le jeu du hasard. Et nous-mêmes, nous sentons nous quelqu'un qui est inférieur pour cause de l'islam ou bien pour dire qu'il est musulman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montre-nous le chemin. Quelque chose qui nous vient faire pour. Ou à dire, il est capable de ressembler un petit peu à l'action qu'il va fait. Et nous sommes capables, Inch'Allah, nous gagner le même résultat qu'ils ont gagné. Il y a un bon musulman qui pratique din, veut dire nous besoin quitter dans nous la vie, nous besoin faire hijra avec ban quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala il défend nous. Si nous réussissons quitter ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait haram pour nous, si nous réussissons quitter ça, avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment vint facile. La cause à même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de place de dire ittaqil maharim takun a'badan nas. Ton envie faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens ton envie vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqil maharim, quitte ce qui est haram. Ça haram la même quand tu restes l'eau là, dans Aswa, jusqu'à tard dans la nuit, tu n'es pas capable de lever pour Fajar, tu n'es pas capable de lever pour Fajar grand matin. Mais si je quitte ça haram là, je dormi bonheur, je fais ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné moi, il est facile pour moi pour lever grand matin. Ou bien pour garder mon ban lié soit là. Vous connaissez qu'il y a quelque chose qui garde mon ban lié soit là? C'est mon ban passion qui n'est pas halal. Mon ban désir qui n'est pas halal. Si je fais hijra avec ça, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour une facile. Nous saisissons ça l'année qui nous commence là, prends conscience. Le fait que nous rentrons dans 1445 hijri, nous encore besoin faire hijra. Et nous hijra, nous pour nous, nous hijra, ce n'est pas quitter l'endroit. Non, c'est nous quitter ban quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala in fait haram, nous quitter lui et incha'Allah subhanahu wa ta'ala pratique din. Vine un musulman obéissant, lui pour vine facile. Nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour faire ces efforts-là. Nous comprenons lui et nous faire ces efforts-là. Incha'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pour capable vine ban quelqu'un qui fait ces efforts. Nous faire ces efforts pour vine obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Waradallahumma anil khulafai al-arba' Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati ajma'in. Inna Allah يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.